Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous entamons cette semaine, la première semaine du mois de novembre, quoique aujourd'hui nous terminons le dernier jour du mois d'octobre. Nous sommes lundi 31 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je terminerai cette capsule avec le message de ton âme. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des rêves de Gaïa et nous allons piger toute la semaine les cartes majeures. J'ai pigé pour aujourd'hui, eh bien, amour à l'endroit, parce que vous, si vous ne le savez pas, la signification à l'endroit est différente que quand on pige la carte à l'envers. Enfin, ici, je l'ai pigé à l'endroit. Nous sommes ici pour apprendre que l'amour a de multiples facettes, que nous-mêmes et qu'intrinsèquement, l'amour n'est ni bien ni mal. C'est une force cosmique qui va nous forger ou alors elle va nous briser selon la façon dont nous choisissons de le vivre. Tout comme nous avons, n'est-ce pas, le choix de nos expériences, nous avons le choix de la façon dont nous percevons et faisons l'expérience de l'amour. Alors, cette carte, elle nous parle du rôle important que l'amour de soi joue dans notre vie quotidienne. La façon dont vous vous sentez intérieurement, eh bien, va donner forme à vos relations envers vous-même et envers les autres. Elle peut soit vous motiver à suivre vos rêves et à nourrir vos passions, ou alors vous en empêchez. Elle va en tous les cas influencer tout ce que vous allez entreprendre. Cette carte, elle vous demande quel sentiment avez-vous pour vous? Posez-vous cette question. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous aimez la personne qui vous observe en retour? Ou bien votre regard s'esquive-t-il aussi vite que possible? Quels sont les mots qui se chuchotent dans votre esprit? Eh bien, lorsque vos regards se rencontrent, est-ce qu'ils se rencontrent vraiment? Si vous ne pouvez pas vous regarder dans les yeux et aimer ce que vous y voyez, alors n'êtes-vous pas en train de rechercher chez les autres ce que vous ne pouvez vous donner à vous-même? Essayez-vous de vous cacher le manque d'amour que vous avez pour vous en aimant et en prenant soin des autres? Si c'est le cas, pourquoi vous sentez-vous sans valeur alors que vous êtes pour tous la personne qui a le plus de valeur à leurs yeux? Avez-vous laissé la société et les médias instiller en vous la croyance que vous êtes moche simplement parce que votre apparence physique ne correspond pas à leurs critères de beauté, qui n'ont rien de naturel et sont souvent une manipulation? La carte de l'amour vous demande de voir que vous êtes un être divin et magnifique. Vous êtes une personne, un chef-d'œuvre vivant qui raconte une histoire unique et formidable.
S'aimer soi-même n'est pas du narcissisme, n'est-ce pas? Ou un manque de vanité? C'est de l'amour. Et avec cet amour, eh bien vient la confiance en soi pour repousser et se débarrasser des peurs et des doutes qui vous font du mal, ainsi que la capacité, eh bien, à faire taire la négativité du discours intérieur qui vous raconte qu'il ne faut pas, qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas, uniquement parce que l'on a peur ou que l'on se croit sans valeur ou indigne. Alors, pour travailler avec cette énergie d'amour de soi, n'est-ce pas, on vous invite à prendre un moment pour faire la liste de tout ce que vous aimez en vous, de tout ce qui va bien pour vous. Soyez fiers de ce qui marche bien dans votre vie. Nourrissez-le et développez-le. Prenez le temps de faire les choses que vous aimez et qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous aimer. Faites honneur à votre corps comme s'il était un temple. Peu importe votre taille ou votre corpulence, si vous êtes en surpoids, musclé ou dans la moyenne, donnez à votre corps une alimentation naturelle et complète. Prenez le temps de faire chaque jour de l'exercice. Respirez. Concentrez-vous sur votre souffle. Gonflez vos poumons en les remplissant d'oxygène vitalisant. N'oubliez pas, n'est-ce pas, chacun de nous est unique, vous êtes unique. C'est pourquoi il est inutile que vous vous compariez aux autres ou de mesurer votre valeur par rapport à ce que vous percevez chez d'autres. Évidemment, nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas censés être semblables. Même si les médias nous présentent un idéal de ce qu'est la beauté, et encore, hein, quand on voit certains mannequins, que c'est plus de la beauté, je n'appelle plus ça de la beauté. Et en fait, les médias ne s'en privent pas, n'est-ce pas? Cet idéal n'est vraiment pas la réalité, hein? Il est manipulé et il est faux. Mais vous êtes réel. Vous êtes réel. Aimez-vous dans votre réalité. Appréciez-vous dans votre réalité. Bien, cette carte, elle vous demande de prendre le temps de vous aimer chaque jour. Soyez doux, douce envers vous-même. Ne soyez pas dur. Soyez bonne envers vous-même. Soyez bon envers vous-même. Sachez que vous êtes divin et que non seulement vous êtes digne d'amour, mais que vous êtes aimé, même si vous ne le pensez pas. Vous êtes aimé. Quel beau message, n'est-ce pas, pour commencer cette semaine. Je terminerai par le message de ton âme, et aujourd'hui j'ai pigé recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Waouh !
Quel beau message de notre âme. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain.